Let us pray. Yeah, dog better. Prions. Most mighty God, we thank you. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. A great time, a wonderful thing. Et bonne occasion et bonne œuvre. Which you have called us unto. Et que tu as permis que nous soyons rassemblés. It is your manner. Et c'est ta volonté. To assemble people for feast. Et de nous rassembler pour se réjouir. Where you make known your ways. Et là où tout permettra que les gens connaissent ton objectif. Now again you have gathered us. Et une fois encore tu as permis que nous nous rassemblions. To teach us your way. Et pour nous enseigner ta voix. To make known unto us. Et pour que nous reconnaissions. Wonderful things. Nous nuis. Les bonnes œuvres. From your sanctuary. Nous nuis ici au et les bonnes œuvres qui viennent de ton lieu saint. We look unto you, Lord. Miel l'encour de Dieu après toi. Et nous t'examinons, Seigneur. Speak to us. Pour nous ami. Parle-nous. Give understanding unto us. Nami gomme cesse. Donne-nous la compréhension. Give us grace to walk in this way. Nami amen veve mia zon le mosi a dit. Donne-nous la grâce pour que nous marchions sur ce chemin. And we shall glorify you. Et mio mia kafu. Et pour que nous nous te glorifions. In the mighty name of Jesus Christ. Le Jésus pen comme mia dobedale. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 We are grateful to God. Et nous nous réjouissons pour le Seigneur. For very wonderful time God has given us now. Qu'il nous a encore permis cette occasion. Another conference 2024. Et il y a une conférence dans cette année 2024. We are looking at 2 Thessalonians chapter 2. Et miel le mia petanya me dronto Thessalonica to et ave. Et dans notre thème que nous sommes depuis l'autre fois dans 2 Thessaloniciens 2. I read from verse 2 to 4. Marle chokwiki ame vei amenne. Et on va lire du verset 2 au verset 4. That ye be not shaken in your mind or be troubled neither by spirit nor by the word nor by letters as from us as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who exalted and who opposeth and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth that he might be revealed in this time. For the mystery of iniquity does already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Praise the Lord. Hallelujah. Can we read it? Yeah. Okay. Thessalonica tabak manevelia tameve kukuya me veso ya madin. Bene miagana watemida kaba to miape tamesusu me o. Eye miagana wado vodina miha o. E danye tok bokbo alo to nyame o. Alo to agbane. Sile abe
mi agbo woto enela me o abe de apetope nkekela dovo ene mi gana amiadeke na blemile muare ke di o ela bena apetola ma va o negbe de ko megbe de to ma ugbo la va gban eye wa de nuvon me sinye gbegble vila de go amesi tiatre eye wodoa edokide di de nu sianu si woyo na be mau alonu si wo subona la di nenembe na wobobono anyide mau pelame hele edoku fiambe yenye mau alode miedunku edibena esime megale miagbola megblo nu siawona mi uwa eye azola mienyanu si hia mone bena wade de go le yeng tope azang beladi. Amen. 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 I am going to start where our brethren have stopped. Ma tse gomecho fisi miyano vyo to teno. Et je vais commencer par là où les frères de devanciers sont arrêtés. By the grace of Almighty God. Et par la grâce du Tout-Puissant. The message of yesterday evening and the one this morning till now has been speaking concerning this topic. Et cho fien pe gbeda sikple nu di ya ple ndoya meto. O kata o fonu cho tanya unsi. Et le message d'hier soir, de ce matin, de cet après-midi parle tout sort de ce thème. And it is clear. Et c'est clair que this is the time when we should talk about this issue. Et c'est le temps que nous parlons de ce thème. The Spirit of God already revealed to us. Et l'Esprit de Dieu a révélé ça clairement que from the message that our brethren has given. Il a révélé par les messages des précédents that there are many who have believed Christ. Et beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ. Who are now rejecting him. Et maintenant ils se rétrogradent, ils sont dans l'apostasie. And our brother told us. Et le frère nous a dit que if not that somebody is destined for perdition, why should he turn back? Ne de amade menye gbegble alo gbegble mele kumene ore leke wa wa troi megbe. Si quelqu'un n'a pas le mal en soi, comment est-ce qu'il peut se rétrograder? Those who will fall away. Ame yola de megbe a. Et celui qui va se rétrograder. According to the book of Thessalonians that we read. Le Thessalonians 14 pas banlin simien hlan la pe nyanwa. Et selon la lecture du Thessalonicien qu'on vient de lire. He's not talking of those who have not accepted Jesus before. Et agbanlin siamo le nu fumcho amesio me kho Christo a po ntio. Et ce livre ne parle pas de ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. They are those who have believed. Onye amesio kho jise. Mais plutôt ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu. But because they are destined for destruction, they cannot stay. Et mais parce qu'ils sont des enfants de la perdition, ils ne peuvent pas résister. This morning, our brother told us. Et ce matin, le frère nous a dit que. It's a one of those things which is the characteristic of this falling away. Et nous si on y est. Et les signes de l'apostasie qu'on peut remarquer sont has to do with deception. Et c'est par exemple la déception. A situation where you are being deceived. Et la situation dans laquelle tu as été déçu. There are some people that they are deceiving them. Et des personnes vous séduisent, vous trompent. There are some people that
They are deceiving others. Et d'autres personnes trompent d'autres personnes, les séduisent. And there are some people they are deceiving themselves. Et il y a certaines personnes qui se trompent. In fact, the greatest problem are those that are deceiving themselves. Et le plus gros problème pour ceux qui se trompent. So, what we see in the church today. Nous si combien les church amegbea. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. We can see a high level of open deception. Et on peut voir la séduction qui sévir. Allô, Bible City Gagla. Ou bien la séduction qui est dévoilée. We look carefully into why are these things like this. Et si nous examinons bien, on peut se poser la question pourquoi ça n'est ainsi. So that anyone that is hearing this message. Et toute personne qui écoute ce message. We receive the word of God. Amen. Et reçoit la parole de Dieu. That we make them not to fall away with those that are falling away. Et reçoit la parole de Dieu pour qui va le permettre de résister, pour que lui aussi ne rétrograde pas pour et telle d'autres personnes le font. I want to look at this passage this afternoon. Et j'aimerais qu'on examine l'écriture ce soir. Dans ce sens, the Church of God, et l'Église de Dieu, the way of God, et le chemin de Dieu, the Church of God, l'Assemblée de Dieu, the Church of God, l'Église de Dieu. If we say somebody fall away, si on dit que quelqu'un s'est rétrogradé, the person from a height to a low place. Et cela veut dire que la personne a chuté d'un niveau plus haut et rabaissé. The falling away are from people that fall out of the way of God. Et cette chute, elle, ces personnes qui ont sont s'écartées du chemin de Dieu. We cannot say that they are also fall away out of the church and the program of God. On peut dire qu'ils se sont écartés de l'église ou bien les instructions de Dieu. And when that one happens, judgment is what is coming after. Et si ces choses arrivent, ce qui suit par la suite est le jugement. In the book of Psalm 77, verse 13. Le Salomo blandre voandre qui qui vie tomea. Et dans Psalm 77, verset 13. Psalm 77, verse 13. Salomo blandre voandre. Psalm 77. I read and you can interpret. Et waglin. Thy way, O God. O mo o miamau. Is in this sanctuary. Le kokwe fela. Who is so great a God as our God? Mau sinye miamau. Thy way, O God. O mo fofo. Is in thy sanctuary. Le wo kokwe fela. Who is so great as our God? Amekael lolo demia maulanu. Who is that God that is so great like our God? Amekael de mia mawanu alo amekael lolo abemia mawane. From this passage, chotepeya. Et à partir de ce moment, de ce passage, the way of God, maupemo, les voies de l'Éternel, It's in the sanctuary of God. It's in the church of God. Et les voies de l'Éternel sont son église ou bien son lieu saint. The way of God. Les voies de l'Éternel. It's in the sanctuary of God.
Et dans son lieu saint. And that is very, very important. Et c'est très important. So when we want to start, we want to start from the church of God. Et nous voulons commencer par l'église de Dieu. How did people fall away? Et comment est-ce que les gens s'écartent de ce chemin? When you know it, et si tu le sais, you will decide where you whether you want to fall away or you don't want to fall away. Comment atiane dibe ya ge allo ya zomwa ayinu. Alors tu peux choisir si tu veux rétrograder, tu veux échouer ou bien tu veux continuer pour aller à la fin du chemin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. In the book of Thessalonians that we read. Les Thessaloniciens 4 pas simi hlanpanyanwa. Et selon le livre de Thessaloniciens qu'on vient de lire, Paul wrote the Christian in Thessalonica. Paul omulagbanena novi Thessalonica to. Et Paul a écrit ce livre aux frères de la Thessalonique. And he began to encourage them. Eye ono jidem fonao. Et en les fortifiant. He said, "You Thessalonian Christian." Mi Christo toyo le Thessalonica. Et vous frères croyants qui êtes à Thessalonique. I'm saying to you, you Togo brethren. Et c'est pourquoi moi aussi je vous le dis, vous frères du Togo. You don't need to be troubled in your mind. Et vous n'avez pas besoin d'avoir la confusion dans vos pensées. Whether you are on the way or you are no longer there. Et on se demandait est-ce que vous êtes sur la bonne voie, que cela soit ne vous soit pas des inquiétudes. Don't compare yourself with those people that are outside. Et ne vous comparez pas avec ceux qui sont de l'au-delà. But Paul said, I want you to understand some things. Mais Paul a dit que j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Understand the mystery of deception. Et que vous compreniez le mystère de la séduction. Understand the mystery of iniquity. Et que vous compreniez le mystère de la perdition. Remember what I have told you. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. If you can stumble the thing that I told you. Et si vous pouvez rester dans ce que je vous ai dit. You will not miss the day of Christ coming. Alors l'avènement de Jésus-Christ ne va pas vous surpasser. Everyone is talking about the second coming of Jesus Christ. Et toutes choses parlent de la seconde venue de Jésus-Christ. Many people are talking of rapture. Et beaucoup de personnes parlent de l'enlèvement. And many are thinking that this thing is delayed, it will no longer come. Et y a megadopa susuva gronaobe. Et la pensée de beaucoup de personnes est que cet événement est en train de se faire tard et que ça ne pouvait plus arriver. So the Christians that Paul wrote to, they are worried. Et c'est pourquoi les chrétiens dont Paul a écrit ce livre sont restés inquiets. I hope we have not missed the time. Et je crois que le moment n'est pas encore passé. What is happening? Et qu'est-ce qui se passe? Then Paul began to explain to them. Et Paul a commencé par expliquer ce qui se passe. The first problem Christian has. Et le premier problème des chrétiens est que they do not know the way of God. Ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. They do not know the program of God. Ils ne connaissent pas non plus le plan de l'Éternel. They do not know
the plan God has on the physical heart. Et ils ne connaissent pas l'objectif de Dieu concernant cette terre. So, because they do not know, et parce qu'ils ne savent pas, they do not plan their life to match the program of God. Et ils n'ont pas planifié leur vie pour marcher avec l'objectif, la vision de Dieu. In the book of Matthew, chapter 16, verse 18 to 20. Le Matthieu va parler est à huit à dix puis huit et ni choy blave après nyanwa. Et Matthieu 16 du verset 8 au verset 20. Matthew chapter 16 verse 18 to 20. Matthieu t'as huit à dix puis huit et ni choy blave. Matthieu 16 du verset 8 au du 8. I will read 18 and 19. Marle huit et ni ple huit à siekia. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on the earth shall be bind in heaven. And whatsoever thou shalt loose on the earth shall be loosened in heaven. Et Matthieu 16 du verset 18 dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. 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 The plan of God announced by Jesus is the building of the church of God on the earth. Et mon frère Tamadoro, si Christ devient le fier, n'y a pas de watsu, mon frère Ramen, l'anigman l'a dit. Le plan de Dieu que Christ a révélé dans ce passage est de construire, de bâtir l'église de Dieu sur cette terre. The plan of God is to build the church of God in this world. Et le plan de Dieu est que son église soit bâtie sur cette terre. That church, the gate of hell, shall not prevail over it. Et son église sur laquelle les portes des séjours des morts ne prévaudront point. The power of the government, the power of the politics will not overcome it. Et la puissance de la politique ne va pas dominer son église. The greatest policies of government, whether America or China or India or anywhere, will not prevail over it. Et du sens le politique fait nyangome. Et d'ailleurs, America, lo China, lo Russia, matenwa duetio. Et les grandes nations qui évoluent dans la politique, que ce soit l'Inde, l'Amérique et autres, ne peuvent pas ne pourront pas point être. So this church is a body of human beings. Et cette église est l'ensemble des personnes. And from the book of Genesis to Revelation. Et so, Moïse parle bientôt va aider n'importe de tia parle même. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. The Lord showed the figure of this church. Maude hamé après non-nomefia. Et Dieu a révélé l'image de cette église. That is what is important to God. Et c'est la chose la plus importante pour Christ. When Moses was in the wilderness. Et quand Moïse était au désert.
The Lord gave the picture of this church as a tabernacle. Maucho hame ape nonome fien abe agbado ene. Et Dieu lui a révélé l'image de l'église en tant que tabernacle. When the Lord Jesus Christ was on the earth. Ei me Cristo no anyigban dia. Et quand Jésus était sur la terre, he told Peter, I will build my church at the people of God that is going to raise up. Etona Petro be matunye hame. Et il a dit à Pierre que je bâtirai mon église et que les enfants de Dieu vont se relever. In the book of Revelation, the Lord shows us as a new Jerusalem coming from heaven. Et l'Éternel l'a révélé en tant que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. A new Jerusalem. Jérusalem yeye. La nouvelle Jérusalem. A new Jerusalem. Jérusalem yeye. La nouvelle Jérusalem. Coming down from heaven. S'il est dit mucho tifo. Et qui descend du ciel. Is the mystery of the joy of the church in the fullness. Enye kame ape enyagala pe dedede gole blibonye nyeme. Et c'est la révélation de la mystère de Dieu dans sa totalité. In the book of Revelation. Chapter 19. This church is shown as the bride of Christ. The church is shown as the bride. L'église de Dieu a été révélée en tant que fiancée. It is a body of people. C'est l'assemblée d'une personne. And God started to build this body right from Abel. Et Dieu a commencé par œuvrer pour ces personnes depuis Abel. In the book of Hebrews, chapter 11. Le rebritoba banatawi de kemea. Et dans les livres d'Hébreux 11, we have the list of people of faith that have overcome. Et on a vu l'histoire ou bien l'histoire de ceux qui ont eu la victoire. They are all part of this church. Et ceux aussi font partie de cette église. It's the body of those people that believe Christ and overcome in their own time. Ils sont ceux qui ont eu la victoire à leur époque. And the Lord gave it as a symbol. Et Dieu les a donné en tant que signe. In the book of Matthew chapter 24. Et dans le livre de Matthieu 24. The disciples asked questions of Jesus. Nous serons là bien enya Christo. Et les disciples ont posé des questions à Christ. And as far as the disciple is concerned, si allez apostolo alors nous serons là noanya. They wanted to know what is going to happen. What Jesus is telling them. Enu enu odi na la nya nous si la va jo. Et du moment où les apôtres sont, ils demandent à savoir ce qui va arriver et ce que l'Éternel leur disait. Matthew chapter 24. Matthieu tabla vevor enne. Matthieu 24. I will read verse 1 and 2. Le verset 1 et 2. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be one left here, one stone upon another, that shall not be thrown down. Eye epe nusro la ova egbo bena wafia mauho pe tutume we ke edo eun glo bena glo na wo bena de miele nusia wo kata poma va mele egblom nami bena
Matthieu 24, du verset 1 et 2 dit, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. » Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. In the day of Jesus Christ and his disciples. Le Yesu Kristo kule epe nusron lopen keke ome. Et à l'époque de Jésus Christ et ses disciples. The great temple where the Jews and the Pharisees they worship. Gbedo hogan afisye Pharisi tok pakule Yuda tok pe atale. Et le grand temple où les pharisiens se rassemblaient. They liked it, they respected it. Et ils l'honoraient tellement. I don't know what is in the mind of the disciples. Et je ne sais pas ce qui est arrivé dans les pensées des disciples en ces jours. And the disciples point to the temple, say, Jesus, see the building of the entire temple. Et nous sommes là, nous avons fait tout le monde pour nous. Et les disciples ont dit au Seigneur, regarde la construction de ce temple. What do they think that Jesus will say? Et nous avons souvent Jésus à tout le monde. Et ils pensaient à quelle réponse venant de Jésus Christ. Jesus say, see how big it is. Et Jésus a dit, voyez-vous sa grandeur? Not too long before the time we are talking about. Avant que ce que je vous dise ne passe. This temple you see. Le temple que vous voyez. Everything will be stone thrown down. Et tout serait détruit. No single stone. We stand upon another. Man non oviati. Aucune pierre ne restera sur son prochain. And after that, Jesus began to tell them of the program of the end of time. Et le mamagbe Yesu je nous signe nous nya boglonao. Et après cela, Jésus a commencé par leur dire ce qui est la fin des événements. The information got to the Jews. Et cette parole est arrivée auprès des Juifs. The Jews said that for more than 40 years we build this temple. Jesus said he will throw it down and he will build another one in 3 days. Yuda talk blobe, but do koyo chop gbogbo chotsu u fe blanea. Yesu yava gbogbo ya gben keke ton gbe ya fun ni titre han. Et les Juifs ont dit le temple qu'on a construit pendant plusieurs années et Jésus-Christ est en train de dire qu'il va le détruire et le reconstruire en 3 jours. They did not understand. Et ils n'ont pas compris. The temple God want to build. Et le temple dont Jésus parle. Jesus is telling the disciples. Et Jésus disait aux disciples. He will build the temple by his body. When he died, he will raise a people that shall be called the temple. Yatu gbedo khode eye gbedo homanye yen topenu tila. Et qu'il bâtirait un temple, ce temple est sa chair, qu'il va mourir et se ressusciter. It's an assignment of 3 days. Et c'est le message des 3 jours. Jesus will die and resurrect the third day. Et Jésus Christ a cou et il a fondé un quelque temps. Et que Jésus mourra et va se ressusciter le troisième jour. The Jews are making noise of the temple they built for 40 something years. Et Yuda talk betete leve mebe yochop blane. Et les Juifs ont commencé par murmurer qu'ils ont pris beaucoup d'années pour construire ce temple et ils disent qu'il va détruire et le reconstruire en 3 jours. Matthew chapter 24 that we read. Matthew va dans le tableau voir un simien rien. I will read verse 3. Marle quick your metoa. And as he sat upon the mount of olive, the disciples came unto him privately, saying, "Tell us, when shall this thing be? And what shall be the sign of your coming?" Matthieu 24, du verset 3.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire part. Autant pour moi, je reprends. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. 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 So the problem is not with that temple. Et le problème n'est pas de ce temple dont il parlait. The information is the program of God at the time of the second coming of Christ. Et tado dinoyen mauve tamedodo na Christo fe vavale fe vavazi evelia. Et l'objectif est le plan de Dieu concernant la seconde venue de Jésus-Christ. So this is what you should know. Et c'est ce que vous deviez savoir. From the day that Lord Jesus Christ was crucified, et depuis que Jésus a été crucifié, and resurrected, et qu'il a été ressuscité, and the Holy Ghost came, et le Saint-Esprit est revenu, the temple of God is in the raising up. Et le temple de Dieu se ressuscitait ou se relevait. The foundation is already laid. Il a été fondé, il a déjà la fondation. All the stone of the testimony before Jesus was born. Il y a tous les pierres nécessaires pour construire le temple. All the testimony of Jesus, all the stones of testimony, the people of God. Et les pierres de la du témoignage qui sont les enfants de till Dieu. The second coming of Christ. Et jusqu'à ce que la seconde venue de Jésus. All of them together. Et tous ensemble. We become the mystery of that temple you are talking about. Et deviennent le temple dont il parlait. So the plan of God for the apostles and those who shall believe through them. Et mau pe tado dinuna ye apostolo kple amesu ava khoji se yenyebe. Le plan de Dieu pour ses disciples et ceux qui vont le recevoir. Vont le recevoir. Is that they should follow this way and be part of that tabernacle. Yenyebe amesiona to mosiadi alebo wa po gomele agbado mamre mame. Et que ces personnes passent ces voies et prennent part de ce temple. Do we understand that? Yes, Gomea. Est-ce que nous comprenions? Yes, Gomea. Est-ce que nous avions compris? So anybody that has opportunity of seeing this temple in his life, he gave his life to Jesus Christ. Amesia po monu po kere agbado ya mtia echona fa gbena na Christo. Et toute personne qui a eu l'occasion de voir ce temple donne sa vie à Jésus-Christ. And his mind is removed from that spiritual temple. Et epe his mind. His mind is removed. Yeah. From that spiritual temple has fallen away. Aha. Okay. Epe susu de nanda jola agbado si le gbagbamu la muti. Et ces pensées se dérobent du temple qui se détruit et s'attachent plutôt au temple qui se reconstruit. Yeah. So when you look at history, si nous examinons bien les histoires, we do not have record that the apostles, their struggle, their labor is how to build the biggest church in Jerusalem. Et même va quoi la fière que apostolo pe publicata nyebe watu amegande le Jerusalem. Et nous n'avons vu nulle part que l'effort des apôtres est de construire un grand temple à Jérusalem. Non. Their labor is how to build the body of people that believe the testimony of Jesus Christ. Et wo pe publicata yenye alesi watu amo amesio ale Christophe d'asse didi merasi. Et leur lutte était de comment construire des personnes, fortifier des personnes qui vont tenir l'évangile de Christ. Just about 500 years after the apostles. Ano abefe alafa ton l'apostolo megbe. Il y a de cela 500 ans après les apôtres. You discover that people have started, they have stopped building
people that are saved. Emma, ye mie gaba de jesibe amoto amesio ho amesio kwa gbe hohola tutu. Et on peut remarquer qu'on a vu des personnes qui ont reçu l'éveil. And you now see people building physical structure, terrible big man, big tabernacle. Okay. Et fimai mie de jesilebe amo tu gbedo o dasi gbedo ho ganga o tutu me. Et on peut remarquer des personnes ont commencé par construire des grands temples. After many years, le fagado me gbe. Après tant d'années, unbeliever took over all the churches. Eh, ame dima kose towo ko church ya odese. Et les païens ont pris la domination des églises. Go to Europe, go to America, go to Britain. You see all of them there. Eh, ne mi yide Europa alo America. Et si nous allons dans l'Asie, dans l'Amérique, les temples qui ont été construits dans ces époques, ce sont les païens qui ont pris la domination. One of the biggest church in Russia. Et le plus grand temple qu'on peut remarquer en Russie. When the Christians are no longer Christians serving God the way it should be, the Russian government is using it for the government house. Eh, me Christo to me gavale Christo to nyenye pa gbe nom le Russia wa. Eh, Russia fe dirudu a kho fe chotia. Et quand les chrétiens ne mènent plus la vie de la chrétienté, l'autorité de la Russie a récupéré l'église pour construire son entreprise. When Christianity came back in the days of Martin Luther. Et quand la chrétienté revient au temps de Martin Luther, salvation came up and people begin to serve God. Et que des personnes ont reçu le salut et recommencé par servir Jésus-Christ. After some time, the labor to build spiritual men went down. Et l'effort que des personnes soient des personnes spirituelles a diminué. And many people begin to be again big churches. Et beaucoup de personnes encore, ils s'en vont construire des grands temples. Today, aujourd'hui, in Great Britain, Grande-Bretagne, Angleterre, and many places in Europe. Et l'Europe. En Angleterre, dans d'autres pays dans l'Europe. The men they did not build for Christ left the church, and Muslims are buying that building. Et les lieux qui sont consacrés pour l'adoration sont abandonnés et que ce sont les musulmans qui l'ont racheté. The program of God is to build a spiritual body of people. Et le plan de Dieu est de construire des personnes pour qu'ils soient spirituels. We see many people today. Et on a vu beaucoup de personnes aujourd'hui. They are gathering many people. Ils ont rassemblé beaucoup de personnes autour d'eux. Mais ils ne les rassemblent pas pour qu'ils soient des personnes spirituelles. Instead, they are building big cathedral churches. Mais seulement ça ressemble à des grandes cathédrales qu'ils sont en train de construire. And they say to themselves, et ils se disent, my church is the biggest. Et voilà mon église le plus grand. That is a great falling away. Et c'est la plus grande apostasie. Many are no longer in the way of God. Et beaucoup d'entre eux ne sont plus sur la voie de l'Éternel. Do you agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? In Matthew chapter 16 that we read. Le Matthieu wagwana tawia dan simie hlenwa. Matthew chapter 16. Matthieu wagwana tawia dan. Matthieu 16. Jesus said. Yesu globe. I will build my church. Matsunyeha. Jésus a dit, je bâtirai mon église. That we fight against the kingdom of hell and prevail. Ye
Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point. The church of God is the army of God. Et l'église de Dieu est l'armée de Dieu. This a spiritual body of God. Et le corps spirituel de Dieu. The church of God is the way of God. Et l'église de Dieu est la voie, les voies de l'Éternel. That will be established upon the face of the earth. Et les voies qui sont sur la terre pour que les gens puissent passer. The church of God is the voice of God. Et l'église de Dieu est la voix de Dieu. Upon the face of the earth. Les anigban l'a dit. Sur la terre. And the church of God shall prevail over everything. Et l'église de Dieu va prendre l'autorité sur toutes choses. Now that we understand what I mean by the church of God. Et si tu comprends ce que je dis qu'il est l'église de Dieu. When God told men to go and build his church, men went and built their house. Et si Dieu dit allez bâtissez mon église, ils s'en vont bâtir leur propre maison. They are no longer on the way. Ils ne sont plus sur la voie. And they will choose all manner of material to do it. Et ils s'en vont rassembler des matériels pour le construire. You know, our brother was telling us yesterday. Et saviez-vous que hier le frère nous disait que in Hebrew chapter 6 verse 4 to 6. Et le Hébreux chapitre 6 verset 4 en allant. They have believed Christ. Oh, Christ au Dieu c'est. Ils ont reçu Jésus-Christ. They have been baptized with the Holy Spirit. Et ils ont été baptisés par l'Esprit, le Saint-Esprit. They have the power, a taste of the power of the age to come. Et ils ont éprouvé la puissance de Dieu qui est pour les générations à venir. And they left all those things. Et they begin to build their own cathedral. Ils se sont retrogradés de toutes ces choses et s'en vont construire leur temple. They begin to acquire property for their family. Et ils sont en train de chercher des héritages pour leur famille. They want to establish themselves upon the face of the earth. Et ils désirent se personnaliser sur la terre. And they want them to know, men to know them. Ils désirent se faire renommer sur la terre. When they begin to build their own, God left them. Et s'ils commencent pas à construire leur propre maison, alors Dieu les délaisse. Now this church that God, Jesus said he will build. Et l'église que Jésus a dit qu'il bâtira. It is written. On l'a dit ben. Et il a été écrit. I will give unto thee the keys of the kingdom. Il est écrit qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. The church is going to possess the power of the spiritual. Et c'est à l'église que l'esprit, la force, la puissance de l'église demeurera. The keys of the kingdom. Et les clés du royaume des cieux. You know the Bible talks about keys. In the Bible we have keys. Et le Bible a mis nyabe safioli. Dans la Bible nous savions qu'on a des clés. The keys of David. David peut s'affuir. Et la clé de David. Whatever door you open physically and spiritually remain opened. Et votre de sia de navu. Le gogomokle gota pakle David peut s'affuir elle vous vous dit nanema. Whatever door you command to be closed, it is closed. Et votre de sia de na descena bene non tutua elle tutu nanema. Et toute porte qu'on ouvre dans les lieux spirituels est ainsi et toute porte qu'on ferme dans les lieux spirituels est également. It is the keys of the kingdom. C'est les clés du royaume des cieux. The keys
the keys of life and death. Il y a également la clé de la mort et de la vie. The mystery of life, the mystery of death. Et les mystères de la vie, les mystères de la mort. Is the mystery of the key of the kingdom of God. Et le mystère de la clé des royaumes des cieux. The church will possess it. L'église que ces clés sont confiées. The key of the bottomless pit. Et il y a les clés de celui des morts. The key of the bottomless pit. Les clés de l'abîme. The judgment of the spirit of the demon and of Satan. Et l'esprit des jugements et du Satan. Is the key, is part of the key of the kingdom of heaven. Et fait partie des clés des royaumes des cieux. When a people stop building the body of God, si des personnes commencent pas à construire le corps de Dieu, they lose the keys of the kingdom. Si les personnes abandonnent la construction du corps de Dieu, alors ils perdent les clés des royaumes aussi. Merci. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Why did God, Jesus say, I will build my church? Et Jésus a dit que je bâtirai mon église. He said, I will build my church. Il a dit, je bâtirai mon église. And this church will fight against the gate of hell. Et cette église va combattre avec l'abîme. And we overcome them. Et qui va le vaincre? In the book of Psalm 110. Le Salomo à la fin de Kakle Womea. Et Psaume 110. In Psalm 110. Salomo à la fin de Kakle Womea. David through prophecy. David Tonya Glodime. Et David a passé par les prophéties. Said. Globe. Out of Zion. Okay, let me read from verse 1. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I may thy enemy thy footstool. The Lord shall stand. The Lord shall send thy rod of strength out of Zion. Rule over thy enemy. Thy people shall be willing in the days of thy power, in the beauty of holiness. From the womb of Mary, thou art the dew of thy youth. Et Psaume 110 du verset 1 dit, de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel atteindra de Zion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur, que tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. 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 David saw the assignment of the church many years before Jesus was born. David a découvert les mystères de l'église plusieurs années auparavant. The word Zion in that passage. Et le thème Zion dans ce passage is talking of Israel at that time. Et non, nous faisons tout Israël nous le Yemayime. Et parle de l'Israël en ce temps. But he's talking of the church or the believer now. Mais ça parle de l'église qui est l'église des chrétiens rassemblés aujourd'hui. I repeat. Je répète encore. The word Zion. Nyagbe Zion. Le thème Zion. With David mentioned. Et David blole tepe ya. Et que David a mentionné ici. Out of Zion. Et to Zion. Et de Zion.
shall come out the rod of the power of God. Et les ténèbres étendra le sceptre de sa puissance. That shall establish power over the enemy. Et pour qu'il domine au milieu de ses ennemis. That shall rule over the enemy. Celui qui va dominer sur ses ennemis. On this face of the earth. Les anigman l'a dit. Et sur cette terre. Not in heaven. There is no enemy in heaven. Et ce n'est pas au paradis. You understand? It is here. On parle de cette terre. A people shall possess the power of God. Yeah. Et les personnes recevront la puissance de Dieu. And they shall demonstrate to this world. Et les peuples vont les révéler dans ce monde. They will say to this world. Et ils diront à ce monde. Your idol. Et vos idoles. Your charm, miabe jokao. Et vos charmes. Your ritual, miabe ekonwo. Vos rituels. Your bomb, miabe bombo, miabe tuo. Your machine gun, miabe tuyo miedana. Cannot stop us. Oh, matin wa totenu simauro. Ne peuvent jamais stopper le plan de Dieu. This is the temple. Eyenya bado. This is the way of God. Eyawenye maupemo. Voilà les voies de l'Éternel. God is saving us so that we shall be part of this way. Et Dieu nous délivre pour que nous prenions part dans ses œuvres. In the book of Psalms, les Salomon Mede, dans les livres de Psaume, Zion refers to Israel as a nation. Et quand on parle de l'Israël, on fait allusion à Zion. When you come to the book of Hebrews chapter 12. Mais dans le livre d'Hébreux 12, verse 22. Hebrews chapter 12, verse 22. I read. Hebrews 12, 22. But ye are come unto Mount Zion and to the city of God, the living God, the heavenly Jerusalem, and unto the innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn ones, which are written in heaven, and to God, the judge of all. And to the spirit of just men make perfect. Zion, the people of God. Zion, maupe duko. Zion, le peuple de Dieu. Do you understand? Yes, Gomea. This is the church. Et c'est ça l'église. Anybody that believes Jesus Christ. Toute personne qui reçoit Jésus. That have the Holy Ghost. Et qu'il a le Saint-Esprit en lui. And their eyes are not center. Their eyes is not central to see this city. Et qui n'ont pas leurs yeux rivés sur ce temple saint. They are already falling away. Et ils se détachent de chemin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Why is this church to be built this way? Nous comptons quoi tu as mis à Pourquoi devons-ils construire le temple? I want us to read Revelation. Revelation chapter 12 verse 15. Revelation chapter 12 verse 15. Let's read Revelation chapter 11 verse 15. Okay, nyan tawi de ke pikwi aton. Apocalypse 11 verset 15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven. The kingdom,
the kingdom of this world be called the kingdom of our Lord and of his Christ, and it shall reign forever and ever. Que me fia do pé la trozumia